Bon, alors on va parler de le Shema, donc la prière juive la plus connue, et, de Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Et on va parler de Shema, donc c'est la prière, comme je disais, la plus connue en Israël et dans le judaïsme. C'est un peu la parole de foi de cette du judaïsme, voilà. Donc, mais cette parole, cette prière nous parle de beaucoup de réalités spirituelles. Et ce soir, on va en parler dans le cadre de la famille, dans le cadre du mariage, Yann. Voilà pourquoi je t'ai vraiment sollicité d'être avec nous. Bon, si tu es beaucoup occupé, je peux comprendre, pas de problème. Voilà. Donc, écoute Israël, l'Éternel. Donc, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul Éternel. Voilà. Et cette prière, et bon, le chemin, hein, c'est à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. C'est la prière, comme je disais, la plus connue. Les Hébreux faisaient cette prière matin, midi, soir. Et en tout cas, le soir, avant de se coucher, ils répétaient cette prière et, qu'on appelle le chemin. En fait, écoutez, en hébreu, c'est chemin. Chemin. Et. C'est une prière qui a été initiée par Jacob. On a eu déjà en parler, mais on va en parler ce soir dans le cadre de, vraiment du mariage. Et oui, on va répondre, David, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a vraiment une soif, là, les gens ont soif. Dans Genèse 49, juste le verset 1 et 2, et on va répondre à cet auditeur, et ensuite on va continuer l'enseignement. Bonsoir. Ah, ça a coupé. Donc, voilà. Dans Genèse 49, Genèse chapitre 49, nous lisons juste les versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite de temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Écoutez, ici c'est Shema, n'est-ce pas? Et donc c'est Jacob qui va initier ses enfants, qui va apprendre à ses enfants cette prière, Yann, et juste avant qu'il ne meure, n'est-ce pas? Écoutez Israël, votre père, Shema Israël, n'est-ce pas, Laurent? On va pouvoir répondre et à la fin de l'enseignement, on va répondre à tous ces coups de fil. Voilà. Donc Jacob se sentant, n'est-ce pas, mourant, donc il est en train de mourir. Et avant qu'il ne décède, il va rassembler les 12 princes, les 12 les 12 tribus. Donc à l'époque, les tribus n'étaient pas encore bien remplies, bien définies. Mais il rassemble ses 12 enfants et il leur dit Shema Israël, n'est-ce pas? Et Moïse va recevoir sur le mont Sinaï, n'est-ce pas, les autres aspects, les autres. Comment dire, en fait, il va recevoir cette prière en profondeur. Et il dit au verset 4 de Deutéronome 6, Shema Israël, Elohenu, n'est-ce pas? Elohenu, Adon, Elohenu, Ehad. Shema Israël, Elohenu, Adon, Elohenu, Ehad. C'est-à-dire, écoute Israël, l'Éternel, Yahvé, littéralement. Hier, on a parlé un peu du nom de Dieu, qui a été mal traduit ici par l'Éternel. En fait, c'est Yahvé. Donc, Shema Israël, Yahvé, n'est-ce pas? Yahvé, Elohenu, Yahvé et Ad. Alors, Ehad, c'est un en hébreu. Et le chiffre 1 en hébreu se dit Ehad. Et dans beaucoup de versions de la Bible, Ehad a été traduit par un seul Dieu. Alors quand on va quand on lit des versions qui sont traduites littéralement, donc là on nous parle vraiment du chiffre 1, et on retrouve Ehad dans Genèse chapitre 1er, où on nous dit qu'il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut jour 1, n'est-ce pas? Or dans beaucoup de versions on dit il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc c'est comme si celui qui lit cette parole en français, il ne va pas véritablement comprendre qu'il y a un Ehad quelque part là. Donc, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut jour 1, Ehad. Alors, Ehad, nous parle de l'unité.
n'est-ce pas, de l'unité, de plusieurs, n'est-ce pas, choses en même temps, mais des choses qui sont indivisibles. Et nous avons ce mot « ehad », notamment dans Genèse, chapitre 2, en ce qui concerne le premier couple. Parce qu'on va parler de « ehad », c'est-à-dire l'unité en Dieu, dans le domaine justement du mariage. Voilà, « ehad ». Donc nous avons dans Genèse chapitre 2, Yann, si tu peux nous lire, s'il te plaît, les versets 23 au verset 25. Genèse chapitre 2, versets 23 à 25. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mm-hmm. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous tout de nus et ils n'en avaient point honte. Voilà, donc, il est dit que, dans Genèse 2, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront ehad. Or, dans la version française de la Bible que beaucoup de chrétiens utilisent, on dit une seule chair. Mais en hébreu, en fait, c'est ehad. Ils deviendront un. D'accord? Ehad. Alors, quand on va en hébreu pour comprendre un peu ce que c'est ehad, et on trouve en fait trois lettres hébraïques. On sait que l'alphabet hébraïque est composé de 22 lettres. Et Ad est composé de trois lettres, Yann. La première lettre, c'est Aleph. D'accord ? Nous voulons parler un peu du mariage, parler un peu de la famille. Parce que, vous savez, l'apôtre Paul fait une analogie entre la relation qu'il y a entre Christ et l'Église et les hommes et les femmes. Et donc, pour comprendre le mystère qu'il y a entre Christ et l'Église, il faut comprendre également la relation qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est-à-dire le mariage humain. Et pour comprendre ce que c'est le mariage, selon Dieu, il faut également comprendre la relation qu'il y a entre Christ et l'Église, n'est-ce pas? Et Dieu, il est présenté dans la Bible comme étant l'architecte, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que Dieu est quelqu'un qui a des projets, qui a des plans, et qui révèle ses plans aux hommes tout en gardant les originaux, n'est-ce pas, de ces projets. Donc il nous donne des copies, comme avec Moïse par exemple, il lui demande de construire un tabernacle selon le modèle du véritable tabernacle. Et on sait que le véritable tabernacle, c'est la Nouvelle Jérusalem, selon Apocalypse 21.1. Et Moïse a construit le tabernacle, la Nouvelle Jérusalem, en petit. Et l'original, donc, était au ciel. Et le mariage, également, c'est la même chose. Donc, quand Dieu, notre Seigneur, a créé l'homme Adam et Ève, en fait, il a créé Adam à son image. Et son image, bien sûr, comme vous le savez, c'est Yéhoshua, selon Colossiens 1.15. Et Ève est également à l'image de l'Église, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu a créé ce premier couple, il voyait déjà au travers d'eux, il voyait Yéhoshua et l'épouse. Donc, maintenant, mes amis, quand nous parlons effectivement du retour à la parole, quand nous parlons, mes amis, de la réformation de nos mentalités, de nos cœurs, de nos assemblées, c'est aussi, mes amis, le retour au modèle biblique du couple que Dieu a présenté aux hommes. C'est le retour à cette relation, n'est-ce pas, donc, qu'il doit y avoir entre Christ et l'Église. Parce que quand nous parlons, par exemple, du retour de Christ, n'est-ce pas, nous parlons forcément des noces. Des noces. On a la parabole de 10 vierges, par exemple, et on nous dit que ces vierges étaient allées à la rencontre de l'époux. Pourquoi beaucoup de chrétiens, mes amis, vivent-ils dans le péché? Pratiquent-ils le péché et ont du mal à sortir du péché? Pourquoi beaucoup de pasteurs, mes amis, n'arrivent-ils pas à vivre véritablement le réveil personnel et dans leurs assemblées locales? Et également, mes amis, ce feu véritable que les apôtres ont vécu, c'est-à-dire cette réformation continue dans la vie de tous les jours, eh bien, c'est pas une des raisons, c'est la mauvaise compréhension de la relation qu'il y a entre Christ et les chrétiens, entre Christ et l'épouse et l'Église. Et pour comprendre cette relation, comme je disais, il faut comprendre la première relation qui a existé, c'est-à-dire entre Adam et Ève, n'est-ce pas? Et donc, le Père nous a donné d'abord une copie, un avant-goût, l'homme et la femme, le premier couple. Et on nous dit que Dieu va endormir l'homme, l'image de la mort de Yéhoshua, il prend une de ses côtes, celle-là en hébreu, qui veut dire poutre. Et il va former la femme.
Et la femme est présentée comme étant la poutre. La poutre qui est protégée par le toit, par la toiture. La poutre qui est, mes amis, un élément fondamental dans le foyer. C'est pour cela que la femme, selon Dieu, est une femme d'intérieur. Une femme de l'intérieur, une femme qui s'occupe de sa maison, mes amis, et qui prend soin de son époux, on le verra. Mais ici, ce qui nous importe d'abord, ici, c'est le chiffre 1, le nombre 1 en hébreu, Ehad. On nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront Ehad. Ils deviendront un. Un. Alors, dans le mot 1, donc dans le mot Ehad, nous avons trois lettres de l'alphabet hébraïque. Nous avons premièrement Aleph. Et vous savez ce que c'est Aleph. Vous avez eu ceux qui ont suivi les enseignements. Aleph est une lettre muette. Aleph ne se prononce pas, comme le H muet en français. Aleph a la forme d'un bœuf. Vous savez que les lettres hébraïques ont toutes des significations et en même temps des valeurs numériques. Et Aleph nous parle d'un bœuf, le bœuf du sacrifice. Donc Aleph nous parle également du maître, de l'instruction. Aleph nous parle du bœuf du sacrifice. Et comme je vous disais la dernière fois lors de l'enseignement sur le Bereshit, Bereshit Barach Elohim et Hashamayin Vet Aeretz. C'est-à-dire au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. Et on a pu voir que Dieu n'a pas commencé les Écritures avec la lettre Aleph, qui est la première lettre, mais avec la lettre Bet. Bet nous parle de la maison, n'est-ce pas? Donc la maison, donc le tabernacle. Donc Bet a comme valeur numérique le nombre 2. Donc voilà, dans la Bible, nous avons toujours les deux réalités, donc une spirituelle et une physique et matérielle. Et nous avons les deux Jérusalem, une terrestre et une céleste. Nous avons deux tabernacles, celui de Moïse et celui de Yehoshua. Nous avons deux Adam, donc le premier Adam qui était naturel, charnel, et le dernier qui est Yehoshua. Vous voyez, donc à chaque fois, il y a ces deux réalités. Donc la copie et l'original à chaque fois. Et ici, les Écritures ont commencé avec Beth. Et là, nous avons Aleph d'abord dans le mot Ehad 1. Aleph, c'est le sacrifice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un couple tienne, il faut qu'il y ait la notion du sacrifice. Pour que l'homme et la femme deviennent un, il faut que les deux se sacrifient. Voilà pourquoi dans la Bible, nous avons, n'est-ce pas, la Bible nous révèle le Dieu qui aime le sacrifice. Dans toute la Bible, dans toutes les Écritures, nous avons, mes amis, la notion du sacrifice. Par exemple, le livre par excellence du sacrifice des Écritures, c'est Vaïgra. Vaïgra, c'est Lévitique. Il cria. Ça, c'est le titre hébraïque de ce livre. Il cria. Donc Dieu, pour parler à Moïse, il a crié pour qu'il comprenne véritablement l'enseignement sur le culte. Et rien que dans ce livre, donc Vaïgra, Lévitique, Yann, nous avons près de 247 lois. Donc plus d'un tiers de la loi de Moïse se trouve dans ce livre, donc dans le livre de Lévitique. Il y en a 613 en tout. Et il y a plus de 150 mentions du mot Kodesh, c'est-à-dire consécration, sanctification, sacrifice. Vous vous rendez compte, frère? Donc, si vous voulez que votre mariage réussisse, vous, enfants de Dieu, vous devez comprendre qu'il y a la notion du sacrifice. Vous voyez? Pour que nous entrions dans les fiançailles avec Yehoshua, il y a eu d'abord le sacrifice de ce Dieu véritable. Il s'est incarné et il s'est sacrifié. Il s'est offert comme une offrande, comme la parole nous enseigne, au Père. Donc, il y a le sacrifice. Le Seigneur a décidé de quitter son ciel. C'est déjà un grand sacrifice. Pour descendre, parler aux hommes que nous sommes avec plein de défauts. Quel sacrifice! Il a accepté de vivre pendant 33 ans sur terre, à côté des personnes qui sont, mes amis, qui ont des caractères irascible, de caractère acariâtre, des personnes, mes amis, qui sont considérées comme les impies, nous tous d'ailleurs, mais le Seigneur, à cause de l'amour qu'il a pour nous, a accepté de se sacrifier. Donc on parlera par la suite de l'amour, bien sûr, mais d'abord du sacrifice, le sacrifice.
Et il est allé sur la croix. Il s'est sacrifié, comme quand le premier Adam a été endormi. C'est l'image du sacrifice, l'image de la mort, afin d'engendrer Ève. Donc, voyez bien que la relation qui a entre Christ et l'Église est une relation basée sur, d'abord, le plus grand sacrifice de tout le temps, c'est le sacrifice de Yahushua, de sa vie. Et, mes amis, voilà pourquoi dans le mot 1, nous avons Aleph. Aleph, c'est le sacrifice. Aleph, c'est l'enseignement, c'est l'instruction. Et il y a cette notion-là. Pourquoi beaucoup de couples finissent-ils par divorcer, même des couples chrétiens? C'est parce que beaucoup d'entre eux refusent le sacrifice, c'est-à-dire le renoncement à soi-même, la mort à soi-même, la mort à son ego, la mort à ses ambitions, la mort à ses propres, à son éducation, la mort à sa propre culture. Ça, c'est important parce que quand nous parlons du retour à la parole, de la réformation de nos cœurs, c'est aussi le changement de mentalité par rapport à nos cultures. Parce qu'il y a la culture du royaume qui doit primer. Et malheureusement, on a plus parlé aux chrétiens de leurs églises dénominationnelles plutôt que du royaume de Dieu. Et c'est là aussi que ça coince, mes amis. Et on doit avoir une transformation, une métamorphose, comme Paul le disait. Subir une transformation que subissent les chenilles pour devenir des papillons, afin de voir les choses du royaume maintenant autrement. Et d'intégrer la mentalité du royaume, frère. Et là, mes amis, on voit le sacrifice, et je veux vraiment insister là-dessus. Pour que Moïse reparte en Égypte pour délivrer les Hébreux, il aurait fallu qu'il se sacrifie. Pour que Gédéon serve le Seigneur, il aurait fallu qu'il se sacrifie. Tous les hommes qui ont servi Dieu dans la Bible, toutes les personnes, les femmes, les hommes, ont dû se sacrifier. Jérémie s'est sacrifié. Ésaïe s'est sacrifié. Paul s'est sacrifié. Il y a cette notion de sacrifice. Et la parole nous, voyez, dans la relation qu'il y a entre Christ et l'Église, d'abord Christ s'est sacrifié, il s'est offert, n'est-ce pas, au Seigneur, au Père pour nous. Et deuxièmement, l'épouse que nous sommes doit aussi se sacrifier. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, on nous demande de sacrifier nos vies, nos corps, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et ce qui sera de la part, de notre part, un culte raisonnable. Donc la relation entre Christ et l'Église est une relation basée sur le sacrifice. Il s'est sacrifié pour nous et par la suite, son sacrifice, mes amis, nous pousse aussi à nous sacrifier. Pourquoi sommes-nous devenus, mes amis, disciples de Jésus-Christ, de Jésus-Christ? Parce que quelque part, nous avons dû sacrifier des choses de nos vies. Nous avons sacrifié, mes amis, la richesse de ce monde. Nous avons sacrifié, mes amis, les belles propositions. Nous avons sacrifié, mes amis, les propositions des femmes, des hommes. Et nous continuons dans le quotidien à nous sacrifier. Voilà pourquoi le Seigneur disait même qu'il faut que celui qui veut le suivre doit porter chaque jour sa croix. Voyez. Donc il y a dans Hehad, le Hehad c'est un en hébreu, l'homme et la femme deviendront un. Et bien, dans Hehad, nous avons d'abord le sacrifice. Et deuxièmement, nous avons la deuxième lettre, c'est Dalet. Dalet, mes amis, a comme valeur numérique le nombre 4. Et pourquoi 4? Et bien, tout simplement, 4 dans les Écritures nous parle de l'accomplissement. De l'accomplissement. Voilà, c'est un chiffre, un nombre universel. D'accord? Nous avons les 4 points cardinaux, nous avons les quatre vents des cieux, n'est-ce pas? Et nous avons l'Occident, l'Orient, le Midi et le Septentrion, n'est-ce pas? Donc l'Orient, l'Occident, le Septentrion, le Midi. Et la parole nous dit que Dieu va rassembler ses élus de quatre points, hein, de quatre coins du monde, de quatre extrémités de la terre. Vous voyez donc, ça veut dire que la deuxième réalité concernant le mariage, la première réalité c'est le sacrifice, la deuxième réalité c'est la vision du royaume en fait. Parce que Dalet c'est vraiment tout ce qui est universel, c'est le royaume, c'est la largesse. C'est-à-dire comprendre que Dieu peut vous unir à des personnes étrangères à votre culture. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça la mentalité du royaume de Dieu, mes amis. Quand on a la mentalité du royaume de Dieu, on ne peut plus être sectaire, on ne peut plus être tribaliste, on ne peut plus être raciste. Vous voyez? C'est-à-dire, si tu es blanc, chrétien, tu ne peux pas te dire que je dois absolument épouser une blanche. N'est-ce pas? Parce que tu es sacrifié. Et parce que tu es sacrifié, tu es Aleph.
Tu es le bœuf du sacrifice, donc automatiquement, tu as une vision large. Donc ton épouse peut venir de l'Orient, de l'Occident, du Midi, du Septentrion. Donc c'est ça la mentalité du royaume, mes amis. Et c'est pour cela dans Ésaïe, mes amis, Dieu disait, élargissez. Hein, et Dieu disait aux Hébreux, élargis. Hein, Dieu te dit également ce soir, élargis l'espace de ta tente. Dalet. Dalet, mes amis, c'est aussi le poisson. Et la troisième lettre, mes amis, c'est Het. Et Het, mes amis, nous parle également de l'œuvre puissante de notre créateur dans nos vies. Et si vous additionnez maintenant Aleph 1, Dalet 4, Het 8, ça donne le nombre 13. Alors, dans le monde, le nombre 13, donc le vendredi 13 est un vendredi, comment dire, le nombre 13 est un nombre de malédiction. Hein. Le vendredi 13, mes amis, pour beaucoup de Français, voilà, ça a une connotation de. Porter chance aussi, hein, mais je joue beaucoup au loto le vendredi 13. Ok. La chance et la malédiction. La malédiction, ok, les deux. Alors, vous voyez, tu vois, Yann, maintenant, quand on additionne toutes ces trois lettres, parce que le Seigneur n'a rien fait au hasard. Il est l'architecte, ce qu'il faut que les chrétiens comprennent. Alors, quand vous additionnez ces trois lettres, ça donne le chiffre, le nombre 13. Et pourquoi 13? 13 en hébreu est le nombre de l'unité et aussi le nombre de l'amour. D'accord? Parce que Hava, l'amour, en hébreu, Hava, a comme valeur numérique le nombre 13. L'unité d'abord, parlons d'abord de l'unité. Pour qu'il y ait l'unité dans le mariage, il faut qu'il y ait le sacrifice. Il faut qu'il y ait une vision large. Voir comme Dieu voit. Dieu ne voit plus les couleurs. Dieu ne voit plus les races. Dieu voit une seule. Il voit deux races. La race des élus. Hein, vous êtes une race, n'est-ce pas, élue. 1 Pierre 2,9. Et la race de vipères. Dieu voit son peuple et les impies. Vous voyez, mes amis? Paul le dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un. Et Hades également. En Christ. Voyez? Donc, il n'y a ni libre ni esclave. Il faut qu'il y ait le sacrifice, il faut qu'il y ait la vision large. Et le chiffre, comment dire, la lettre Het, qui correspond au nombre 8, le nombre 8 en hébreu nous parle du recommencement. N'est-ce pas? Donc, du recommencement. Les enfants juifs étaient circoncis 8 jours après leur naissance. D'accord? Donc, le recommencement, le jour nouveau. N'est-ce pas? Ça veut dire que dans le mariage, même s'il y a eu des problèmes, parce qu'il y a le sacrifice perpétuel continu dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a une vision large, donc il y aura toujours un recommencement. Donc, on ne peut pas prévoir le divorce en tant que chrétien. N'est-ce pas? Donc, on peut toujours recommencer sur de bonnes bases. C'est ça, en fait. Donc, ça veut dire qu'on peut toujours couper le prépuce. C'est ça, non? Donc, on peut toujours subir une circoncision, hein, parce qu'il y a eu le sacrifice. Parce qu'il y a le sacrifice, parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a la vision large. Et puis, quand on additionne ces trois lettres, mes amis, nous avons le chiffre, le nombre 13. Et pourquoi 13? 13, c'est l'unité. Vous voyez, Jésus est venu, il a pris 12 apôtres, et il était lui-même le 13e apôtre. Hébreux chapitre 4 nous dit qu'il est l'apôtre. Considérez l'apôtre de la foi que nous professons, Yehoshua. Vous voyez? Donc, il a rassemblé 12 personnes et il était lui-même le 13e élément, la pierre angulaire sur laquelle l'Église est bâtie. C'est-à-dire, c'est le royaume. La pierre, là, c'est le royaume. Vous voyez? On revient encore à la même chose. Hein? Voilà. Et nous avons également Jacob. Jacob, avec ses 12 enfants, n'est-ce pas? Lui-même étant le 13e prophète. Voilà pourquoi il leur a dit Shema Israël. Donc, c'est-à-dire pour qu'il y ait l'unité de cette nation dans la diversité, parce qu'il y a 12 diversités hein, quand même, hein, 12 tribus, pour qu'il y ait l'unité, il faut comprendre le Shema. C'est ça la vision de Jacob. Il savait que ses enfants pouvaient se disperser parce qu'il y avait 12 princes, donc 12 cultures différentes, n'est-ce pas? 12 visions différentes, mais pour qu'il y ait unité, il fallait qu'ils comprennent le chemin. Shema Israël. C'est-à-dire, il fallait qu'ils comprennent, qu'ils connaissent le sacrifice. Il fallait qu'ils aient une vision globale, pas rester seulement chacun dans sa tribu,
dans son territoire, il fallait également, mes amis, qu'ils aient toujours la notion du recommencement. C'est-à-dire, tout est possible. On peut toujours recommencer les choses. Voyez? Et puis, comme je disais, 13, c'est aussi le nombre de l'amour. 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 Et, mes amis, l'amour, en hébreu, Hava, a pour valeur, comme valeur numérique, mes amis, le nombre 13, ça veut dire que pour couronner le mariage, il faut qu'il y ait l'amour. Mais pas l'amour charnel, mais l'amour désintéressé. Romains chapitre 5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que cet amour te donne à aimer l'autre malgré toi, indépendamment de ta volonté. Donc ça veut dire que, alors que dans le monde on pouvait être raciste, Yann, et on se met à aimer Karine, ton épouse, qui est une vraie Congolaise. Alléluia. Bien qu'ayant vécu en France depuis toute son enfance, mais voilà l'amour de Dieu. Et que tout le monde soit d'accord ou pas, mais l'amour que Dieu avait mis dans ton cœur pour elle était tellement fort qu'il, n'est-ce pas, transcendait, qu'il transcende toujours toutes les différences socioculturelles, linguistiques, tout ça, et on finit par aimer l'autre malgré soi. Donc ça veut dire que le message que nous prêchons, le retour à la parole, la réforme des églises, mes amis, c'est le retour à l'amour véritable de Dieu, parce que si nous prions, si nous prêchons, si nous allons en mission, si vraiment nous sommes de Dieu, ça veut dire que nous sommes motivés par l'amour pour Dieu. Et deuxièmement, par amour pour les âmes. Il n'y a pas d'autres ambitions. En ce qui me concerne personnellement, ce n'est pas l'enrichissement personnel. Mais c'est plus que je recherche la gloire de Dieu. Et deuxièmement, la libération des âmes, que les frères et sœurs soient éclairés, qu'ils sortent de l'ignorance, qu'ils sortent du contrôle de beaucoup des pasteurs qui les manipulent comme des gourous, qui les maintiennent dans l'ignorance et les empêchant de vivre véritablement le réveil personnel et de vivre, de rentrer dans leur ministère. Parce que Yehoshua est en train de revenir, frère, mais il faut que l'église se prépare. Il faut que les frères et sœurs se lèvent. Je me souviens de cette parole de dix vierges dans Matthieu 25. On nous dit que ces vierges allaient à la rencontre de l'époux. Ces vierges, elles avaient des lampes, cinq avaient de l'huile et cinq autres non. Et pendant que... la Bible nous dit que l'époux tardait à venir et elles se sont assoupies et endormies. Quelqu'un à minuit donc, va crier, voici l'époux. Donc minuit, c'est vraiment l'apostasie, c'est le paroxysme du péché, de l'apostasie. Et quelqu'un crie et on nous dit que ces vierges se sont réveillées. Et deuxièmement, elles préparèrent leurs lampes. Or, le verbe préparer en grec, là, signifie littéralement orner. Donc ces vierges, c'était ornées de la lampe. Donc ça veut dire que la réformation des cœurs, des églises, commence par le réveil personnel. C'est une prise de conscience que là, effectivement, nous avons été dans le faux. Nous avons été mal enseignés. Nous avons été induits en erreur par nos pères dans la foi. Il y a comme une prise de conscience qui t'amène à préparer la lampe, qui est la parole de Dieu, à te orner de la lampe. Et on retrouve ce verbe-là dans Matthieu 25, là-bas, par rapport à la préparation des lampes. On retrouve ce verbe dans Apocalypse 21, 2, où on nous dit que la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas, s'était préparée hein, et s'était parée comme une épouse pour son époux. Donc, c'est le même verbe. C'est-à-dire, c'est l'ornement de l'Église, c'est tout simplement la parole. Ce n'est plus, mes amis, les choses de ce monde. C'est la parole que Dieu nous a donnée. C'est le retour à cette parole, mes amis. Et voilà la belle image du couple que Dieu veut, mes amis. C'est ce couple-là qui se sacrifie. Parce que quand j'entends des frères et sœurs me dire, frère Chora, moi je vais divorcer parce que ma femme m'a trompé, parce que mon mari m'a trompé, je leur dis, mais mes amis, mais oui, c'est bien, mais où est le sacrifice? Oui, frère, moi je vais divorcer parce que vraiment il y a eu une incompatibilité de caractère. Je dis, mais mes amis, vous n'êtes pas morts. Je suis désolé. La mort à soi. Si Dieu maintenant pouvait divorcer avec nous à cause de nos caractères, je crois que mes amis, personne ne serait sauvé. Vous voyez, frère, on doit aimer comme la parole le dit, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié. Donc ça veut dire que l'amour selon Dieu nous pousse au sacrifice.
huit frères. Ehad est aussi valable dans la notion, dans le mariage, aussi bien dans le mariage que dans nos relations avec les frères et sœurs, dans la communion fraternelle. Comment réussir, Yann, à vivre une véritable communion fraternelle avec les blancs quand on est noir, avec les noirs quand on est blanc? Comment réussir à vivre une relation fraternelle, mes amis, avec les Indiens quand on n'a pas leur culture? Vous voyez? Alléluia, on peut répondre, hein, pas de souci. Donc, chacun peut intervenir maintenant si quelqu'un a quelque chose à partager. Allô, bonsoir. Oui, salut, c'est Madeleine. Madeleine, bonsoir, du côté de Danemark. Ah non, mais c'est terrible ce que tu partages là. Madeleine, bonsoir. Oh là là, vraiment, je rends gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux, Madeleine, baisse un peu le son chez toi? Oui, je vais éteindre. Je vais éteindre. C'est incroyable. Je suis chez moi, je fais des saltos. C'est terrible, cette notion de sacrifice, cette notion d'unité. C'est-à-dire que Dieu nous a laissé sa parole pour essayer de comprendre son langage. Et je vois la perfection de Dieu dans ce message, quoi. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas si mes frères et sœurs ressentent ce que je ressens, mais c'est très fort. Cette notion de recommencement, cette notion de sacrifice qui nous permet justement de rester dans cette unité. Alléluia. En tout cas, je voulais juste partager ça et je te laisse continuer parce que je sais qu'il y a d'autres choses encore à découvrir, quoi. Mais je n'ai pas pu m'empêcher d'appeler. Alléluia. Madeleine, regarde, justement, merci, tu nous appelles depuis le Danemark pour ceux qui, comme le pasteur Ben qui est là ce soir, qui va être encore beaucoup encouragé. Et en tout cas, que ce soit béni. Et regarde, dans Colossiens chapitre 1, verset 24, nous avons ici Ehad, la notion du sacrifice. Bien, donc, Aleph, dans ce passage. Paul dit aux Colossiens, « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Mes amis, ça c'est une parole forte, n'est-ce pas? Et il y a une autre parole, avant de développer cette parole, il y a une autre parole dans, mes amis, dans Colossiens, dans Philippiens chapitre 3, verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Et ça, c'est une parole qui m'a... Je méditais cette parole à Abidjan il y a quelques jours. Ça m'a déchiré le cœur, Yann. Pourquoi? L'apôtre Paul nous enseigne ici la notion de Aleph. Hein? Il rentre en profondeur ici. Aleph, le sacrifice. Pourquoi il y a autant de problèmes dans nos églises? Pourquoi il y a autant de divisions entre les pasteurs, pourtant qui aiment Jésus, qui craignent le Seigneur et qui veulent avancer, faire avancer le royaume? Parce que justement, il y a la notion de la souffrance qui est beaucoup négligée. La croix, tout simplement. Parce que Aleph, c'est le sacrifice. Aleph, c'est le sacrifice de notre vie. Et Paul dit qu'il va connaître Christ. Quand il va écrire cette lettre, Paul était en prison, n'est-ce pas? Nous sommes dans les années 60 à peu près. Paul se retrouve en prison et il dit qu'il était en train de souffrir. Il dit qu'il recherchait la communion de souffrance, la communion de souffrance de Christ. Voilà la communion véritable. Pour être dans une bonne communion avec sa femme, avec son mari, avec ses frères et sœurs en Christ, il faut d'abord expérimenter dans le quotidien la communion de souffrance de Christ. Parce que si l'on veut vivre le réveil véritable dans le couple, dans l'assemblée locale, dans le ministère, il faut que l'homme de Dieu expérimente la souffrance, soit dans la communion de souffrance de Christ, cette communion va le pousser, va le pousser à la compassion pour les âmes, à la prière, à une vie de consécration, pour pouvoir produire des fruits. Parce que Dieu ne peut pas utiliser les vivants. Dieu utilise les morts, qui sont consumés par le feu de sa sainteté. Et l'odeur de cette offrande agréable monte vers le Seigneur et Dieu peut faire alliance, comme avec Noé. Noé sort de l'arche, il offre un holocauste au Seigneur, l'odeur monte vers le Seigneur et Dieu fait une alliance avec lui, et ainsi qu'avec les nations dont le signe, n'est-ce pas, est l'arc-en-ciel. Voyez mes amis, dans la nuit, et voyez comment Dieu opère. Donc Paul parle de la communion de souffrance de Christ.
pour ne pas pécher, il faut expérimenter cette souffrance, ces souffrances-là dans le quotidien. Pour ne pas décevoir Dieu, il faut éprouver ces souffrances. Parce que si vous craignez Dieu parce que vous avez peur de lui, vous n'êtes pas son enfant. On ne peut pas avoir peur de Dieu. Mais on va craindre Dieu parce qu'on l'aime. Parce qu'on expérimente sa souffrance. Est-ce que vous vous rendez compte, mes amis, que chaque jour, les yeux de l'Éternel, mes amis, voient des jeunes enfants qui sont violés par des pédophiles, voient des femmes qui vont entre femmes, les hommes avec les hommes. Chaque jour, vous voyez des pasteurs qui prennent, qui dépouillent les frères et sœurs, financièrement, matériellement. Dieu pleure, Dieu souffre. Son cœur de père, parce qu'il nous aime, il gémit son cœur. Chaque jour, Dieu voit des divorces dans le milieu chrétien. Et Paul, s'il a pu marquer sa génération, parce qu'il avait cette souffrance-là, parce qu'il avait expérimenté la croix, voilà pourquoi il a pu marquer son temps. Voilà pourquoi Paul, quand il allait quelque part, frère, Paul bouleversait des villes entières, rien que par sa présence. Et il dit que ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans mon corps. Est-ce que Paul voulait-il dire que Christ n'avait pas assez souffert? Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire qu'il y avait un manque de souffrance de Christ dans l'église de Colosse. Et beaucoup de Colossiens n'avaient pas expérimenté la souffrance de Christ. Et lui, qui n'a jamais été à Colosse, et apprend, mes amis, apprend que beaucoup parmi ces chrétiens de Colosse étaient séduits par les gnostiques, des faux docteurs, des judaïsants. Et Paul dit, mais il faut expérimenter la souffrance de Christ, la croix. Et mes amis, voyez, Aleph, c'est ça, Aleph. Beaucoup de couples chrétiens divorcent facilement, frère, je vous enseigne cela, parce qu'ils ne sont pas, ils n'expérimentent pas le Ehad. Ehad est d'abord l'unité, donc un. Dans Ehad, il y a d'abord le sacrifice, mes amis, le sacrifice. Le sacrifice. Et la souffrance de Christ, mes amis. Et Paul dit, si je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts, en devenant conforme à lui dans sa mort. Quand Paul a écrit cette lettre, Christ était déjà ressuscité, mes amis. Plus de 25 ans après. Il a écrit cette lettre plus de 25 ans, plus de 30 ans à peu près, après Christ. Et on nous dit, il dit qu'il voulait devenir conforme à la mort de Yehoshua. Un mort ne réagit pas. Vous donnez un coup de pied à un mort, il ne va pas se réveiller pour pouvoir vous le rendre. Il est mort. Vous le traitez de tout le nom, il ne réagit pas. Vous lui crachez dessus, il ne réagit pas. Donc si beaucoup de couples chrétiens étaient morts, si beaucoup d'hommes de Dieu étaient morts, frères, ils ne divorceraient pas facilement avec leurs femmes. Si beaucoup de femmes chrétiennes étaient mortes, si elles avaient expérimenté, mes amis, Ehad, notamment la lettre Aleph, ces femmes ne divorceraient pas. Et Aleph, elle est muette. Ça veut dire que quand on a expérimenté la mort, on devient muet. Alléluia! Aleph ne se prononce pas. Donc on devient muet. On te crache dessus et tu gardes le calme. On t'insulte, tu ne réagis pas. On fait des vidéos contre toi, tu ne réponds pas. Et tu continues à marcher. On te traite de faux prophètes, de faux docteurs, de magiciens, de sorciers. Tu continues à faire l'œuvre parce que tu es mort. Tu ne peux plus te prononcer. Et tu laisses, n'est-ce pas, l'odeur de ton sacrifice affecter les ennemis, tes ennemis. Tu laisses l'odeur de parfum, de bonne odeur de Christ qui se dégage de toi à cause de ton sacrifice, toucher ton entourage. Oh mes amis, je vous assure. Il y a une puissance dans le sacrifice. Alléluia. Il y a une puissance dans le sacrifice. Aleph. Jésus, on lui a craché dessus. Il n'a pas répondu. Pilate même était choqué. Ne réponds-tu de rien, de toutes les accusations dont tu fais l'objet? Jésus n'a pas répondu. On nous dit qu'il était là comme une brebis muette devant ceux qui l'attendaient. Il n'a pas cherché à se justifier. Oh, mes amis. Voulez-vous vivre le mariage heureux en Christ? Voulez-vous, mes amis, marquer votre génération? Frère, il y a eu des gens qui nous ont précédés et qui ont marqué leur génération. Quand je vois la vie de Paul, quand je vois, mes amis, la vie de Pierre, quand je vois la vie de Jean,
Frère, Dieu n'est pas mort avec ces hommes-là. Non. Il y a eu d'autres réformateurs que Dieu a suscité, frère. Ils ont connu leur temps. Ils sont morts. Des Calvin, de John Wesley, de Charles Finney, des gens qui ont aussi, à leur époque, apporté quelque chose de nouveau. Frère, quand on regarde de près la vie de ces hommes-là, ils ont expérimenté la lettre Aleph, la mort, le sacrifice. Ils ont tout abandonné pour le Seigneur. Je me rappelle de Pierre Valdo. Pierre Valdo, au XIIIe siècle, un riche marchand français. À cette époque, mes amis, Pierre Valdo s'était rendu compte que beaucoup de chrétiens d'origine de France n'avaient pas accès à la parole de Dieu. Il était riche, il a vendu tous ses biens, il a investi dans le royaume, dans la traduction de la Bible en français. C'était un précurseur de la réforme protestante. Frère, il s'est sacrifié. Combien de chrétiens veulent-ils se sacrifier? Combien de prédicateurs cherchent-ils à se sacrifier? On veut d'abord s'enrichir. On veut s'enrichir, avoir des villas, avoir des choses ici, des belles voitures. On veut prouver aux gens que nous sommes bénis matériellement, frère. Ce n'est pas ça le sacrifice. Ce n'est pas ça ce que Dieu veut, mes amis. Il veut d'abord que nos vies soient totalement sacrifiées. Et je vous assure, la véritable richesse, ce sont les âmes qui sont gagnées, qui sont formées. Parce que le meilleur investissement, c'est l'homme. C'est dans l'homme, frère. Et l'homme peut, dans ce cas-là, produire, procréer, engendrer, enfanter, mes amis. Et là, tu peux mourir et tu verras que l'œuvre que tu auras faite va perdurer parce que tu as compris la notion du sacrifice. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à soutenir financièrement l'œuvre de Dieu? C'est aussi le problème. Le problème est là. Beaucoup refusent de soutenir véritablement pour que le royaume avance. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ne sont pas sacrifiés. Et quand on n'est pas sacrifié, on aura du mal à offrir, n'est-ce pas, ses biens au Seigneur pour que le royaume de Dieu avance. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on a besoin de Aleph, mes amis. Dans le couple, on a besoin de Aleph. Et je sais que ce soir, il y a des couples certainement qui vont être restaurés, qui vont mourir, n'est-ce pas, par rapport à leur chair, par rapport à leur culture, mes amis, par rapport à leur propre vision, et recevront la délivrance véritable, non des démons, parce que les démons, mes amis, on est délivré des démons à la conversion. La plus grande délivrance, c'est par rapport à la mentalité des forteresses, l'ignorance, le péché notamment. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle du 92. J'ai une question, en fait. Je voudrais savoir, en fait, j'ai deux questions. Alors, la première, c'est quelles sont les conséquences, en fait, sur un couple lorsqu'on n'expérimente pas vraiment, en fait, cette souffrance de Jésus? Quelles seront les conséquences positives et négatives? Et ma deuxième question, excusez-moi, c'est de savoir comment faire pour aller vraiment en profondeur pour pouvoir expérimenter cette souffrance de Christ. Est-ce qu'il faut prier pour ça? Comment faire pour expérimenter ça? Parce que c'est mon désir, en fait. C'est vraiment touchant, l'enseignement de ce soir. Je voudrais savoir comment faire pour expérimenter, mais vraiment en profondeur, quoi. Ok. Alors, un couple qui n'expérimente pas la lettre Aleph, c'est-à-dire le sacrifice, oui, la souffrance de Christ, la croix, ben, les conséquences ne seront jamais positives. Donc, il ne peut y avoir que des conséquences dramatiques, négatives, telles que les conflits, les disputes, malheureusement, la convoitise, la rébellion, l'insoumission et la dictature, n'est-ce pas, de l'homme vis-à-vis de la femme, notamment. Et la mentalité de Jézabel également de la part de la femme vis-à-vis de l'homme. Et il peut y avoir également, par la suite, donc, l'adultère et divorce. Et s'il y a des enfants, bien sûr, les enfants peuvent se retrouver complètement démunis, complètement déboussolés et n'ayant pas une vision correcte de l'homme, hein, oui, pour être préparés à devenir des hommes de demain et des époux de demain. Et les femmes, pareil, les jeunes filles également, n'auront pas une bonne vision d'une mère et d'une bonne épouse. Donc, parce que chacun va évoluer de son côté. Donc, c'est la dislocation de la famille, de la souche familiale. Alors, c'est pour cela que les chrétiens doivent être enseignés correctement. Il faut qu'ils comprennent qu'un chrétien, selon la Bible, naît mort. Amen. La naissance nouvelle, quand on est né de nouveau, on est né mort. Amen. Et on grandit dans la mort. La mort, toujours par rapport aux cultures de ce monde. La mort par rapport aux éducations qu'on a reçues de la part de nos parents. Certaines éducations qu'on a pu recevoir de leur part peuvent nous éloigner, hein, donc, du Seigneur. La mort par rapport aux coutumes et traditions.
la mort par rapport au péché. Amen. Voyez. Donc, et il faut vraiment pas oublier cela, parce que le Seigneur l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Amen. Et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Ce n'est pas le petit bout de bois là, que portent les catholiques ou les protestants, les évangéliques. Mmh. Mais c'est vraiment, c'est la souffrance, c'est la souffrance de Christ. Qu'est-ce que Dieu éprouve face au péché? Amen. Et comment faire pour expérimenter cela? C'est dans la relation avec le Seigneur, tout simplement. Amen. Dans la relation avec le Seigneur, on reçoit sa vie. Amen. Et sa vie nous amène automatiquement à cette souffrance. Cette souffrance nous pousse à la sanctification. Cette souffrance produit en nous la sanctification, parce que la croix produit en nous la repentance, produit en nous, mes amis, cette œuvre missionnaire. Amen. Parce que comment faire pour répondre à l'appel missionnaire? Eh bien, si on n'a pas le cœur de Dieu, on ne peut pas le faire. On peut le faire de manière religieuse, mais on n'aura pas le cœur de Dieu. D'accord. Donc, c'est-à-dire, au fur et à mesure, en fait, qu'on va expérimenter des choses. Donc, quand on va penser, en fait, à ce que lui, Christ, il a enduré, que ce soit dans le groupe ou, en fait, soit dans l'Assemblée des Saints, soit avec des frères et sœurs. Donc, au fur et à mesure qu'on va expérimenter, en fait, qu'on va endurer des choses qui vont faire mal, mais en pensant à ce que Christ a enduré, donc, on ne répond pas. En fait, on laisse faire Dieu. Donc, voilà, donc, c'est un peu ça, en fait. Tout à fait, parce que dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul disait que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle afin de la sanctifier. Donc, ça veut dire que d'abord, on voit l'amour. L'amour t'amène au sacrifice. Amen. Donc, c'est-à-dire la mort. Et ce sacrifice te permet de sanctifier l'autre. Amen. N'est-ce pas? De laver l'autre, d'aider l'autre à comprendre, à avancer. Et ce n'est pas nous qui changeons les gens, c'est la vie de Dieu en nous qui d'abord nous amène à la mort et ensuite produit la vie chez l'autre ou chez les autres. D'accord. Que Dieu soit béni. Alléluia. Enseignement, gloire à Dieu. Dieu est bon, donc nous avons beaucoup de questions sur... Gloire à Jésus. Nous avons beaucoup de questions sur Skype et nous avons notamment des frères, une sœur Nelly qui nous écrit depuis Liège, hein. Et voilà, donc vous pouvez réagir, mes amis, sur le Skype, le forum du Skype de Radio de Vie, et pour éventuellement poser toutes vos questions. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à partager, Pasteur Ben, Yann. Oh, merci. Je trouve déjà que c'est un message très équilibré, très profond. C'est un message qui est aussi dans les temps, parce que dans chaque saison spirituelle, Dieu met l'accent sur des choses spécifiques. Et le mariage ou les couples ou la famille représente aujourd'hui le point clé où Dieu veut commencer les choses. Parce que souvent quand on parle de l'Église, les gens ont la mentalité religieuse d'une salle. Mm-hmm. D'abord, une salle n'est pas une église. Mm-hmm. L'Église, la véritable Église, c'est d'abord moi. C'est aussi ma famille. Mm-hmm. C'est l'Église. Alors si à partir de cette... dimension là qui est famille, les choses ne sont pas bâties, même si nous allons dans une salle, même si nous allons dans une maison, nous retrouvons, il n'y aura pas la communion. Mm-hmm. Donc il n'y aura pas la manifestation de Dieu, et avec tout ce que tu viens d'enseigner, tu peux parler à mission, tu peux servir Dieu dans les royaumes. Donc le mariage, c'est vraiment la clé pour le développement aujourd'hui de l'Église et amener les choses à la fin. Et j'étais très impressionné de voir que la parole de Dieu a beaucoup de contours, beaucoup d'éléments cachés. Mm-hmm. On peut aller soutirer ça seulement par révélation, mm-hmm. comme on vient de l'entendre ce soir. Parce qu'on peut lire la Bible, mais on la lit sans l'illumination, mm-hmm. sans beaucoup de clarté. Et les éléments que tu viens de souligner, les points clés, pour bâtir un mariage chrétien, un couple chrétien, c'est vraiment formidable. Ça m'a beaucoup marqué de voir que nous sommes en chemin, nous sommes en train d'avancer. Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes déjà arrivés. Mm-hmm. Parce que l'apôtre Paul, un des grands pionniers du royaume, a dit « Je ne dis pas que je suis déjà arrivé, mm-hmm. mais j'ai fait des efforts. » Et cet enseignement m'a beaucoup touché. Je vais encore faire des efforts. Parce qu'en lisant le passage de Éphésiens 5, à partir du verset 25, la parole dit que Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Mm-hmm. Et s'est livré lui-même. Ça, c'est le sacrifice mm-hmm. dont il vient de parler.
Et à aller l'avant, Christ a aimé l'Église en la sanctifiant et en la purifiant et en l'élevant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Je trouve que les points clés que tu nous as enseignés ce soir montrent clairement que les hommes, nous avons une grande responsabilité. Mm-hmm. C'est-à-dire de faire paraître à la fin de toutes choses nos femmes devant Dieu, sans tache, ni ride, irréprochable. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose de formidable. Waouh, wow. Que Dieu soit béni. Et je crois qu'il y a beaucoup de réactions là ce soir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais poser une question, s'il vous plaît. Oui. C'est Arthur. Oui, Arthur, tu peux y aller. D'accord. En fait, je veux savoir, en fait, dans Romains 12, en fait. Romains 12, où Paul dit, comment on appelle ça? D'offrir au corps comme un sacrifice. Bon, le corps dont Paul parle ici, c'est la chair ou c'est notre être, en fait, comme dans 1 Thessaloniciens 5, en fait. C'est le corps tout entier, hein? Esprit, âme et corps physique. Hein? Esprit, âme et corps. Voilà, c'est l'homme, l'homme dans son entièreté. D'accord. Okay. Parce que tu ne peux pas donner, par exemple, tu ne peux pas dire que tu donnes ton cœur au Seigneur et tout en marchant nu dans la rue pour séduire les femmes, par exemple. C'est clair. Ouais. Donc si ton cœur est au Seigneur, forcément ton corps, tu vas l'habiller décemment. D'accord, donc en fait c'est tout le corps, c'est dit, et de la manière que l'esprit a été renouvelé, l'âme aussi d'être renouvelée. L'âme, effectivement, donc le cœur, le siège des émotions, tout ça, et tout. D'accord, ok, merci beaucoup. Voilà, que Dieu soit béni. Yann, tu voulais parler de ça, ou tu voulais celle Yann ouais. Amen, amen, je suis très content aussi de tout ce qui a été dit ce soir, je bénis le Seigneur. Et c'est vrai que le mariage est une notion très importante, en fait. Et je me rends compte que j'ai des efforts aussi à faire, bien évidemment. Et ça interpelle beaucoup, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. Mm-hmm. Et je me rends compte que l'homme et la femme doivent s'aider mutuellement pour le sacrifice. Tout à fait. Et c'est pas évident, parce qu'en fait, la chair va faire le contraire. Mm-hmm. Quand on voit des femmes, quand leur mari souffre, et on voit partout, hein, on voit beaucoup ce que je remarquais, et ma femme me faisait remarquer ça aussi, je parle pas forcément d'ici, mais de partout, souvent les femmes de pasteurs sont souvent, on va dire, un peu aigries, mm-hmm. parce qu'elles voient que leur mari a une telle charge qu'elles ont du mal en fait, à gérer. Mm-hmm. Il y a différentes raisons à ça. Mais on se rend compte que tout ce que tu as dit ce soir, surtout par la notion de sacrifice, là, ça m'a... En fait, on doit aider sa femme à aller au sacrifice, et elle doit aussi nous aider à aller et à accepter le sacrifice. Tout à fait. Et c'est pas évident. Parce que quand on voit quelqu'un souffrir, on a plutôt envie de l'aider, en fait, charnellement. Mm-hmm. On a envie de le retirer de là pour ne pas qu'il souffre. Mm-hmm. Alors que l'enseignement de soi nous apprend que nous avons des souffrances qui sont utiles pour justement avancer et laisser tomber la culture, quitter en fait des choses qui sont mauvaises, qui nous empêchent encore d'avancer vers le Seigneur. Et je bénis vraiment le Seigneur, en tout cas, pour cet enseignement. Et pour la culture française, comme on, dit, hein, comme on disait, il n'y a pas de couleur par rapport à la France. La France est multiculturelle aujourd'hui. Mmh. On se rend compte que dans ce pays, c'est vrai que la famille est détruite. Et il n'y a plus d'éducation par rapport aux enfants. Si le couple, l'homme et la femme vont mal, forcément, ça va ressurgir en fait sur les enfants, mmh. obligatoirement. Mmh. Donc, on construit en fait quelque chose qui est bancal. Mmh. C'est une plante qui va pousser de travers et qui finira un jour ou l'autre par, de toute façon, tomber. Voilà. Et c'est très important aussi pour les enfants. Et comme on discutait un petit peu avant l'émission aussi, et on voyait que aujourd'hui, les parents permettent tout à leurs enfants. On voit des gens qui se disent chrétiens et sous prétexte que nous sommes libérés, sous prétexte que nous sommes civilisés, n'est-ce pas, soi-disant, eh ben on met de côté la parole par rapport à ses enfants parce que, soi-disant, on les aime, mm-hmm. et on permet qu'il y ait petits copains, petites copines, qu'ils regardent des bêtises à la télé, mm-hmm. qu'ils aient, pourquoi pas, télévision dans la chambre, mm-hmm. ou voir ordinateur avec Internet. Mm-hmm. Donc, un accès, bien évidemment, à beaucoup de bêtises. Et alors que c'est aussi un sacrifice, en fait, l'éducation des enfants. Bien sûr. Donc, si les parents se sacrifient l'un l'autre, on se rend compte qu'ils vont aussi s'aider mutuellement à sacrifier aussi, à aider les enfants aussi à comprendre ce sacrifice qu'ils doivent faire, c'est-à-dire à ne pas, en fait, se conformer aux choses du monde. D'ailleurs, Yann, en parlant du sacrifice par rapport à l'enseignement, la 13e lettre de l'alphabet hébraïque, lamed, lamed a la forme d'un fouet. Et lamed nous parle de l'instruction, n'est-ce pas ? Donc, et de l'éducation. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça que Salomon disait que n'enlève pas, ne retire pas la verge de l'enfant. Mm-hmm. Hein, donc, sinon, il va devenir sot. Hein, sot. Donc, il faut, si tu éloignes la verge de l'enfant, donc, autrement dit, il ne sera pas instruit. Mm-hmm. N'est-ce pas? Donc, et ça, c'est fort.
devant comment le Seigneur peut nous instruire. Et on a vraiment vu ce soir, effectivement, que pour que le mariage réussisse, le mariage chrétien notamment, il faut, en fait, pour qu'il y ait l'unité, l'unité selon Dieu, c'est le sacrifice. Or, l'unité selon le monde, l'œcuménisme, c'est quoi ? Ce n'est pas, il n'y a pas le sacrifice. C'est-à-dire qu'on se met tous ensemble dans un même endroit et on porte tous les mêmes uniformes, mais on est unis. Alors que l'unité selon Dieu n'est pas, c'est pas ça. L'unité selon Dieu, c'est vraiment, c'est le sacrifice, premièrement. Et ce sacrifice est fait par amour pour le Seigneur. Et on se base sur la relation qu'il y a entre Christ et l'Église. Hein. Christ, pour pouvoir, le Seigneur, pour pouvoir nous sauver, nous fiancer, il a dû se sacrifier. Et Paul fait une analogie entre l'homme et la femme et Christ et l'Église. Et il nous invite également à nous sacrifier, comme le pasteur Ben le disait, pour nous les hommes, pour nos femmes notamment, pour pouvoir les sanctifier, les purifier, parce qu'on va effectivement les présenter à Dieu, parce que la parole nous demande, nous hommes, nous sommes des chefs, n'est-ce pas, comme la parole dit, l'homme est le chef de la femme, tout ça. Et dans Colossiens 1, 28, Paul dit que nous présenterons, donc 27-28, nous présenterons à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et ça, c'est fort. Ça veut dire que l'œuvre que nous faisons, nous, en tant que dirigeants, en tant que prédicateurs, nous allons présenter ces frères et sœurs que nous dirigeons au Seigneur quand il reviendra. Il faut qu'ils deviennent parfaits en Christ. Parce que nous sommes là, pour, comme la parole le dit, pour les perfectionner. Hein, donc, voilà. Et à cathartise, c'est-à-dire réparer les gens avec la parole. Et c'est vrai que dans le cadre du mariage, il faut vraiment qu'il y ait le sacrifice d'abord. Donc, Aleph. D'abord, le sacrifice de l'homme. Oublier parfois ses propres intérêts. C'est ça le sacrifice. Et vous considérez l'intérêt de l'autre. Et deuxièmement, il y a la vision large. Ne pas être sectaire. Si tu es sectaire, dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas aller plus loin. N'est-ce pas? Et ensuite, il y a bien sûr, comme on a vu, le recommencement, donc la lettre est. Et c'est vraiment le recommencement. Ça veut dire que il ne faut pas rapidement envisager le divorce parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a des problèmes. C'est-à-dire, tout est possible à celui qui croit, amen, nous disent les Écritures. Donc, voilà pourquoi quand le Seigneur disait dans Genèse là-bas et, que l'homme quittera son père et sa mère dans Genèse 2:20 et s'attachera à sa femme et les deux deviendront Ehad, et c'est vraiment à la pensée du Seigneur et c'est là. C'est là pour la première fois où Dieu nous parle du mariage, mes amis, de la famille. Et rappelez-vous bien que le retour à la parole, la réforme de l'Église, c'est le retour au livre de Genèse. Parce que Genèse, ce n'est pas la loi. Genèse, c'est vraiment, c'est comme on l'a vu, c'est Bereshit. Hein, le titre de ce livre en hébreu, c'est Bereshit. Et Bereshit, donc Bereshit bara, n'est-ce pas? Et le rime. Et Et Hashamayin Vet Haeret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et dans ce commencement-là, vous voyez cet enseignement, il y a tout le plan parfait du Créateur. Vous savez, plus je médite la parole, plus j'essaie de lire la Bible en hébreu, plus je me rends compte, mes amis, que, et dans la prière également, qu'il y a tellement de profondeurs. Voilà pourquoi, quand on posait la question au Seigneur par rapport au mariage, notamment dans Matthieu 19, Moïse a dit ceci. Toi, tu dis quoi ? Le Seigneur dit au commencement. C'est en hébreu, Bereshit. Donc, vous voyez, il ramène les gens au Bereshit. Dans le livre de Genèse. Il n'était pas ainsi. Et Jésus-Christ se présente à l'église de Laodicée comme étant le principe de la création, c'est-à-dire le commencement. C'est-à-dire littéralement le Bereshit. La Genèse. Et il dit dans Apocalypse 22, au verset 12-13 là-bas, il dit: je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et le dernier, c'est-à-dire Bereshit, n'est-ce pas? Genèse et le dernier, donc Bereshit et Apocalypse. C'est-à-dire que Jésus se présente comme étant le Bereshit, donc ça veut dire que si l'on veut comprendre le mariage, il faut avoir la révélation de Yehoshua. Voyez? Donc le retour à la parole, c'est le retour à l'intimité avec Yehoshua, notre maître. Et je vous assure, si vous comprenez le langage de Dieu concernant la relation qu'il y a entre Jésus et l'Église, vous comprenez le mariage. Vous comprenez la communion fraternelle. Et vous n'allez même plus chercher à vous défendre quand les gens vous attaquent.
Vous n'allez même plus chercher à vous défendre, mes amis. Quand les gens vous critiquent, vous allez continuer à faire l'œuvre du Seigneur humblement. Et c'est ainsi, mes amis, que vous verrez véritablement la gloire du Seigneur. Vous voyez? Et c'est ça ce que Dieu veut. Et quand on voit la relation entre Salomon et la Sulamite, Salomon, comment il appelait sa femme? D'abord, c'était ma sœur. Non, mon ami, d'abord. On l'a vu, hein, il y a trois types de relations relationnelles qu'il faut bâtir, hein, qu'il faut développer pour avoir un mariage solide. D'abord, il faut que ta femme soit ton ami. Comme le Seigneur disait dans Jean 15, je ne vous appellerai plus aux disciples, des serviteurs, mais je vous appellerai amis. Et deuxièmement, il faut que ta femme ou ton mari soit ton frère, ta soeur, ton frère, membre d'une même famille, la famille royale, la famille céleste, le royaume, ayant un même père, une même loi, la loi divine. Et troisièmement, la fiancée. En hébreu, fiancée veut dire tout simplement consacré. C'est le mariage. Vous voyez mes amis, donc ce soir nous avons voulu vous encourager à tenir ferme, vous qui avez des difficultés, des combats, vous qui avez du mal à pardonner, vous qui avez du mal à fermer les oreilles aux critiques. Si vous vous arrêtez sur les critiques des hommes, vous allez mourir. Alors, fermez vos yeux, continuez à faire l'œuvre du Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que vous verrez véritablement la gloire du Seigneur. Soyez tous encouragés, mes amis, ici et là, au nom de Yoshua. Estelle, tu veux dire quelque chose peut-être? Alléluia. Juste, j'avais cette pensée où quand Christ explique qu'il sera difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et si je peux me permettre, je dirais que ça sera difficile aussi aux femmes du 21e siècle de rentrer dans le royaume des cieux si elles n'acceptent pas le sacrifice. Parce que nous, les femmes du 21e siècle, on reçoit une certaine éducation de la part de nos parents. La société nous montre une certaine image et on ne doit pas accepter cette image d'être à l'égal de l'homme. On n'est pas là... On a une place très importante dans le royaume, on a une place très importante dans le foyer, on a une place très importante auprès de notre famille, mais il faut faire très attention à ne pas prendre la place de l'homme. Et la société française, la société occidentale, qui est en train de gangréner aussi les autres sociétés, fait que la femme doit maintenant prendre la place de l'homme. Et je partageais avec des frères tout à l'heure, je travaille et ma responsable est une femme et je crois réellement depuis un certain temps que il n'est pas bon pour certaines femmes d'avoir des responsabilités et ça se ressent dans le travail, ça se ressent dans le couple et je pense que vraiment c'est là où la femme dans un travail par rapport au sacrifice, elle doit apprendre à se taire, elle doit apprendre à s'humilier, elle doit apprendre à servir son mari, être au service de son mari et de ses enfants, de ses parents. Et ce que je vous dis là, franchement, pour ceux qui me connaissent, avec le caractère que j'avais et que j'ai toujours, parce que Dieu n'a pas fini de me briser, je vous parle en connaissance de cause. Et mes sœurs, si vous voulez vraiment avancer dans le mariage, apprenez à servir vos maris, dans tous les sens du terme, apprenez à être au service de vos enfants, de vos parents et de vos frères et sœurs, parce que sinon ça va être très, très difficile. Que le Seigneur soit glorifié, soit béni. Pasteur Yann. Je voulais vraiment ajouter un mot, parce que ça montait dans mon esprit. Je voulais parler des femmes, des serviteurs de Dieu. Et vraiment, le Seigneur, il fait des choses en l'écoutant parler. Et je me dis, ben, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, parce que beaucoup de femmes... Pasteur Ben était mon pasteur il y a 14 ans. Donc, et je connais un peu, l'histoire. Je la connais un peu. Donc ça, c'est vraiment, ça me dépasse de voir la transformation. Hein. Et là, on peut valider un ministère. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement aller dans les nations de la terre, mais bâtir sa maison. Quand la femme d'un homme de Dieu n'est pas content à la maison, ce ministère-là est déjà foutu. Il n'y a plus rien qui marche. On peut être populaire, ben, quand à la maison, on ne sait pas éduquer sa femme, enseigner sa femme, donner la parole qu'on enseigne aux autres, hein, vivre ça à la maison et que la femme de l'homme de Dieu puisse expérimenter ça. Parce qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure avant l'émission, il y a des divorces en cascade.
dans les corps du Christ, des hommes de Dieu divorcent, des hommes qui sont connus, des hommes de Dieu qui sont connus divorcent, et ils donnent des raisons que non, ma femme n'a pas suivi mon ministère, n'a pas connu ma vision. Mais en fait, nous avons reçu le ministère pour que nous puissions transmettre l'impact d'abord dans la vie de nos femmes. Et en écoutant votre épouse, je trouve qu'un travail a été fait. Et c'est ça qui valide ce que tu es en train d'enseigner aujourd'hui. Ce n'est pas juste la rhétorique pour que les gens comprennent l'hébreu, le grec, mais c'est une expérience vécue. Et cet enseignement aura de l'impact au travers des nations, hein, parce que c'est une réalité. Et beaucoup de femmes, des hommes de Dieu sont mécontentes. C'est comme si Dieu a volé leur mari. Et parce qu'elles n'ont pas compris d'abord la notion de sacrifice. Elles n'ont pas compris qu'elles doivent servir Dieu aussi dans les coulisses. Parce qu'il y a la part, il y a la place où Dieu a placé la femme dans les ministères. On voit aujourd'hui beaucoup de femmes jézabéliques parce qu'elles n'ont pas compris cette notion-là, que Dieu t'a établi là, sers Dieu là, et tu es utile là où tu es, et c'est comme ça seulement que la gloire de Dieu va se manifester, en commençant dans un couple, et dans la communauté locale, et ainsi de suite, jusque dans la communauté globale. En tout cas, c'était vraiment enrichissant pour moi d'écouter cet enseignement. Ça m'a beaucoup impacté, m'a beaucoup touché, et les témoignages de votre épouse prouvent que c'est pas la lettre. Tu as suivi nos combats à l'époque. Oui. Quand elle ne voulait pas de Jésus. Elle ne voulait pas de Jésus. Tu lisais la Bible, elle fait en cachette, tout ça. Je connais. Et écoutez, aujourd'hui, je trouve que c'est extraordinaire. Amen. Je bénis le Seigneur. En tout cas, moi, je bénis aussi vraiment ton humilité. Ça me touche. Je voulais vraiment le témoigner. Et que le Seigneur soit béni. Donc, on a vécu des belles choses, en tout cas, à Juvisy. Et c'est ça le royaume, mes amis. On voit que ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui veulent le servir véritablement, ils ne sont pas divisés. Vous voyez, donc, quel que soit le terrain où le Seigneur nous a mis, ici et là, on peut s'encourager, prier les uns pour les autres. Et vraiment...